Mesdames et messieurs, après avoir testé une nuit d'hôtel à 2000 euros versus une nuit d'hôtel à 38 euros, après avoir fait la même chose avec des Airbnb, eh bien cette fois on va aller encore plus loin dans cette vidéo avec Ben, puisqu'il y en aura un de nous deux qui va avoir le droit à un week-end de luxe à Ibiza, pendant que l'autre sera un week-end camping. Alors attention, le camping je trouve ça stylé, mais là le truc c'est qu'on est mi-octobre, il n'y a plus un oncle qui traîne en slip avec un Ricard à la main, c'est un peu triste. Il y aura donc trois étapes dans cette vidéo, la première où je vous présente le partenaire sans qui cette vidéo ne serait pas faisable, la deuxième où on va faire le jeu pour savoir qui part où, et le jeu est très très stylé. J'ai mis 4 heures à le préparer. Et ensuite, vous aurez nos deux week-ends en comparaison. Attention, générique de 1,14 secondes. Pour réaliser cette vidéo, nous sommes en collaboration avec NordVPN. NordVPN, c'est le meilleur VPN du marché. Il a d'ailleurs gagné en 2018 et 2019 le award du meilleur VPN. Encore un award que Leonardo DiCaprio n'aura pas. En gros, un VPN, c'est quoi? C'est un réseau personnel que vous pouvez créer sur votre ordinateur pour notamment contourner la géolocalisation. Exemple, l'an dernier, j'étais parti à Singapour et j'ai commencé une série sur Netflix qui était dispo là-bas. J'ai quasiment tout maté, il manquait un épisode. Je rentrais à Paris, la série n'était pas disponible sur Netflix. Là, j'installe NordVPN et là, je peux regarder mon contenu disponible à Singapour. Et comme il y a 5500 serveurs dans 60 pays, ça permet une connexion hyper rapide. En plus de ça, ils ont ajouté énormément de sécurité, notamment quand vous connectez sur les réseaux publics. Vous savez, dans les aéroports ou les bibliothèques. Moi, ça me fait flipper quand je me connecte à un réseau public à l'aéroport ou même la bibliothèque. Enfin, la bibliothèque de manière générale, ça me fait flipper. Donc là, il y a plus de sécurité sur ces réseaux. En tout cas, si vous voulez essayer, il y a 2 mois gratuits. Je vous mets dans la description un lien avec un code promo qui vous permet d'avoir 70% de réduction. Donc vous ne paierez que 3,17€ par mois. C'est si proche du chiffre pi. Alors attention, cette offre n'est valable que si vous engagez sur 3 ans. Mais le service est tellement pratique que vous verrez, vous en aurez besoin pendant longtemps. En plus, vous pouvez être jusqu'à 6 sur un même compte. Donc 3,17€ divisé par 6, vous retenez la décimale de 9 par 12 au carré. Bref, ça fait pas énormément par personne. Après, il faut avoir 5 potes. Voilà, maintenant j'espère que je vais pouvoir utiliser ce VPN en allant notamment dans une île en Espagne. On va donc se retrouver avec Benjamin pour le jeu que je vous ai concocté. C'est parti! Benjamin! Mesdames et messieurs, Benjamin Véric. Bien enchanté à vous-même. C'est le rêve d'une vie que je suis en train de réaliser. De quoi, d'aller dans un camping? Non. On sait même pas trop ce qui nous attend. Bah, on sait non, que c'est du camping. Ouais, mais camping quand même, énorme truc, sympa, avec, tu sais, parce qu'il y a des campings. C'est dernière semaine avant la fin de saison. Faut savoir qu'on sera 6 seuls dans le camping. Ben, te rappelles, pour le premier hôtel, on a fait un pile ou face. Ouais, simple. Après, on a fait une course de chevaux. Je me rappelle très bien, en fait, parce qu'après, j'ai fini dans un 6 mètres carrés. Là, j'ai fait en live sur Twitch, j'ai mis 4 heures de construction pour le circuit de billes. C'est magnifique, hein. Petit plan épique. Je vais t'expliquer le parcours des billes, sachant que nos deux billes vont partir en même temps. La tienne d'ici, la mienne d'ici. Elles auront exactement le même parcours jusqu'à ce point ici. Et à partir d'ici, elles sont dans une spirale. Admettons, ça c'est toi. Tac, tu pars. T'arrives dans la spirale. La mienne aussi arrive dans la spirale, c'est la première qui sort. Elle passe le tube. Elle arrive dans une spirale. Ici, elles peuvent se passer. Ici, il y a ça. Et il y a encore une spirale. Ici, ce pont-là, la bille peut passer aussi en dessous si jamais. Petit raccourci. Et ensuite, ça tombe dans ce que j'appelle la bascule de la mort. Oui! Admettons, les deux billes sont là, ça va se fighter. Là, il y a un chemin très simple et ça part d'un côté ou de l'autre. C'est les mêmes chemins et ça retombe dans un entonnoir. Ici, ça retombe sur une bascule. Ici, ça retombe sur la bascule de la mort. Pourquoi j'ai du stress alors que c'est le test, ça? Et ça arrive en Espagne. Oh, aïe. Ici, on a plein de billes. Ça va être le choix de la bille, ça va être important. Ok. Petite billasse. C'est ta championne? Si on part à Ibiza, je te prends avec moi. Si on part au camping, je te prends avec moi. De toute façon, j'aurai que toi. Je suis en stress. Tu le sais que là on fait les malins. À partir du nez aztèque, tout peut se passer. Si tu me fais des belles choses, je t'emmène. Je te ramène à l'île de Pâques. D'accord? Tu vas revoir tes copains, d'accord? C'est parti? 3, 2, 1, top! Oh là, la rouge est devant! La rouge est devant, elle est passée! C'est une blague! Oh, allez, oui. Oui. La verte est passée devant. Allez, la rouge, allez, la rouge. Oui, oh, oui, la verte, oui, la verte, oui, mon bébé, oui, mon bébé, oui, mon bébé. Allez, allez. Non, va-t'en, toi, va-t'en. Allez, elle est très en retard. Oui. Non. Allez, vite. Non, vite. Non, elle va te rattraper. Vite. Oh non. Mais pourquoi ça m'arrive à moi?
J'ai déjà donné l'appart de 5 mètres carrés. Tellement bien ce qui s'est passé. Ah, j'en tremble. Bon, bah, on accepte le pari, hein. On a voulu jouer, on a perdu. Elle était si en retard, la mienne. On est parti vraiment au même moment pour le coup. Démarrage beaucoup plus boosté de toi. T'as même cru qu'il y avait un problème, que ta vie était bloquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est bloquée. Elle était encore en spirale. La mienne est passée très vite dans le nez aztèque. À partir de là, ma bille entre dans le nez aztèque. Et c'est à ce moment-là où on se rejoint tous les deux ici. Ah, c'est là que tu passes devant? Et là, je passe devant. Je prends la course en tête. Je suis dans la bascule de la mort quand t'es à peine dans cette toute petite bascule-là. Je suis à peu près là. Et là, moi, elle met 8 heures de bascule, la mienne. Là, je me dis, qu'est-ce que t'as bossé à l'entraînement? C'est les lignes droites. Donc là, j'accélère dans la ligne droite et je suis allé très très vite dans cet entonnoir. Là, t'as été fort. C'est là où t'as été fort. J'avais bossé à l'entraînement, bien sûr. La prise de poids comme ça. Bien bossé. Et là, je reprends la bascule. Je savais que c'est ici que ça jouerait. Je savais qu'ici, ça passait devant. Et après, il y a le tunnel et ça finit... ça finit en Espagne, hein. Alors, non, parce que pour le coup, moi, j'ai l'impression que je finis dans une... certainement au camping. Il est pas Ibiza, j'imagine. Le camping. Mais non. On part demain matin. Moi, ouais. Je pars avec Agathe et toi avec PA. Ah ouais, en plus, on part avec des gens qu'on aime bien. Mais dans des endroits qu'on n'aime pas forcément. Début de week-end, mon Ben. Et là, il pleut. On est à l'aéroport. On va quitter ce temps. J'imagine que toi, tu vas pas le quitter ce temps. Et on va y aller en avion cette fois. Je vais pas partir en bateau, comme il dit demain. Donc, point de départ, station essence. Parce qu'en fait, vu que c'est le week-end le moins cher, je pars en covoiturage. Je suis avec PA. Salut, Ben. Salut à tous. On va kiffer. Ouais, on va s'éclater là. On va s'éclater, comme on dit dans le jargon de la fête. Donc là, on attend notre compagnon de covoit. Et c'est parti pour à peu près 4h30 de route. Ça va être compliqué là. On va faire un petit point sur la météo quand même. Il part où lui? À Luçon. Je vais regarder Luçon quand même. On va aller checker la météo là, savoir dans quoi on s'embarque climatiquement. Putain, pluie toute la journée. Là ça va être dur. Même la grenouille, il a fait la gueule. Oh là là. Ibiza. Oh, mon salaud. 25 degrés. Pas de pluie à l'horizon. Rien que ça. Ibiza. Luçon. Rien que l'arrière-plan, il est marrant. Petit jet privé là. On se met bien. Je sais toujours pas comment il y allait, Ben. Hein. Là, il y a du monde parce que j'ai invité des abonnés, mais c'est un jet privé à la base. J'ai insisté un peu pour que sur mon jet privé, il y a le nom d'une compagnie. Comme ça, ça fait plus modeste, ça fait plus proche du peuple. Mais c'est un jet privé. Profitez une dernière fois du ciel gris, on l'aura pu. Si vous voulez voir du ciel gris après, c'est sur l'autre partie de la vidéo. C'est quoi la benne à tourner? Qui dit hors d'autoroute, 10 petits casse-dalles, appelé, c'est les classiques. Prends du triangle, hein. Et puis petite crêpe. Quoi que ça, il va manger quoi dans l'avion? Alors, je sais pas, peut-être un plateau repas, mais de mauvaise qualité, j'imagine. Benjamin, à la tienne. Santé. Excellent. Ils font du caviar, t'as le menu? Pierre, si tu le regardes, pour l'instant, nous on kiffe. Hein. Elle est super bonne. Eh bien, c'est parti, on est arrivé, on découvre le terrain ensemble, je vois de loin la villa. Enfin arrivé, super content, super week-end, j'ai absolument pas la haine. Direction notre chambre directement, j'ai récupéré les clés à la réception. Allez, c'est parti, on va aller chercher notre chambrée, voilà. Yes, allez. Oh là là, messieurs, dames. Oh là là, Benjamin. Ah, là où dort Ben ce week-end. On n'est pas un peu dans une ville fantôme, là? Oh, sympa, un terrain de basket. Ça, c'est bon, ça. Premier bon point que lui, il a sûrement pas. C'est Pierre qui va être jaloux, hein. Bah oui, il aime bien le basket, lui. Oh, aïe, ça y est. Fais faire un petit plan, s'il te plaît. C'est pas moi le plus intéressant ici. On a un étage par personne, Agathe. C'est déjà si long d'aller. Quand ton chemin pour aller chez toi est fatigant, c'est que t'as un grand truc. Bonjour. Bonjour. Il y a vraiment personne, Ben, hein? Ouais, mais bon, ça met de l'entrain, tu vois. C'est, je suis en mode camping, moi. Ouais, l'apéro, à tout à l'heure. Une table. Je pense qu'il en a une, mais je miserai pas là-dessus. Petite table pour tac, 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 tac. 12 convives, classique. Ça, en fait, pour moi, ça devient quasiment un quotidien. Bientôt, bientôt, là, on y est bientôt. C'est celle-là. Voilà notre petit havre de paix. Non, mais regarde un peu. La porte est là. On est face parking. C'est parti pour un room tour? Allez! Ok, petit apéro qui est prêt. On s'entuque? Moi, je m'entuque. Donc là, on est dans une sorte d'entrée qui est quand même un salon. Pas une entrée genre tu mets ton manteau. Tu entres, tu dînes avec tes potes. Attends 2 minutes. Non, mais qu'on aille un peu. Je viens de me prendre le Mordor là. Oh là là, le salon. On dirait un petit peu Benjamin. Fait partie du voyage. Waouh! Non, mais après, peut-être que ça fait longtemps aussi qu'elle est pas. Bon, allez.
Alors, petit room tour, je vous en prie, rentrez avec moi. Ok, petit canapé. Petit salon, franchement, rien à dire. Là, je soupçonne le canapé d'être à peu près aussi grand que la surface qu'il a pour tout le week-end. C'est énervant d'être dans ma position, de tout le temps gagner. Ok, l'année du garage. 35 000 mètres carrés de surface, c'est ça? Il y a combien de surface, Ben? 7 mètres carrés. On peut se diriger vers la cuisine? Ouais. Trop bien. Alors, petite cuisine, somme toute classique, hein. Cuisine beaucoup trop grande. Micro-ondes, four. Et qu'est-ce qu'on a là, en guise de petit cadeau d'arrivée? On n'aurait pas le petit nettoyant désinfectant? Oh mon salaud! Il y a des petites bières au frais déjà. Ils nous ont mis quoi? Du vin blanc. Placard, bah super! Des petits gobelets, des bols. Waouh! D'ici je le sens. On est d'accord. Ouh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça va partir en Uno ce soir. Hein. Uno, tarot. Toi, Pierre, il y a quoi, Pierre? Champagne, on se garde pour plus tard. À Saint-Miguel, bien sûr. Hop. J'ai une piscine. Non. C'est ça, les vraies choses. Je propose qu'on monte. Droite, gauche. On va où, Agathe? Tu choisis. Droite. Vas-y. Premier couloir. Oh là là. Oh, aïe, 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 aïe. Première chambre. On va compter ensemble les chambres. C'est un exercice assez compliqué. Première chambre. Pas mal. Petite télé. Armoire très grande. Bon, bah, frigo. Micro-ondes, prise absolument pas réglementaire et hyper dangereuse. Et puis la chambrée, regarde. Chambre 5. Et là, ça donne vers une sorte de hall comme ça. Pourquoi le repose-pied est aussi loin du canapé? Alors, si tu peux t'approcher, PA, c'est magnifique ce qui se passe. Bon, le lit pas fait, c'est pas grave. On est pas manchot, on peut faire notre lit, c'est pas grave. Un kit de protection de lit, c'est pas une couette. C'est pas un drap, c'est pas une tête d'oreiller. C'est un kit de protection de lit. Oh bah c'est super. Voilà, là c'est bien. Là on a de l'espace. Oh là, ça c'est que des armoires. C'est énorme. T'as une chambre? C'est un bidet. C'est un bidet barbecue, regarde. Et bah voilà, donc là, hop là, tu vois? Regarde, l'aisance, tu ouais, vois la place, hein. Ça mène. Non, fais pas ça. Pierre, s'il te plaît, fais pas ça. C'est une armoire à WC. Et bah franchement, hyper content de la chambre. Ça c'est quoi ça? J'ai pas... On arrive. Oh, aïe. Ah, regarde quand tu veux faire le ménage. Pierre aussi, il doit avoir des petits goodies comme ça, tu sais, laissés sur le lit. C'est un spa. T'as un spa privé en fait. Baignoire avec vue sur une terrasse encore. Bah les toilettes. Les toilettes, hein. On est pas bien là. Bon, au moins on a du PQ, hein. J'ai perdu le compte des WC. Troisième WC, deuxième bidet. Vue sur quoi dans une chambre? Sur un magnifique parking, hein. C'est vu par cause, hein. Petite piscine. Il y a peut-être une piscine aussi, Ben. Faut pas non plus que le plaindre. Hein. C'est quoi la vue de Ben? Oh, ça doit pas être dégueu non plus, le paysage, il est en pleine nature. En tout cas, nous, on est là, s'il faut mettre de l'ambiance et faire des rencontres et faire la fête. Hein. En fait, cette vidéo, elle va pas être insupportable que pour Ben, elle va être insupportable pour tout le monde, parce que tout le monde a froid en ce moment en France. Ah là là. C'est magnifique, cette nature comme ça, qui vous sourit et qui vous dit « oui, j'existe ». Regarde-moi comme je suis belle. Mais oui, on t'aime, nature. Toi aussi, je t'aime. Terrain de beach volley privatif. Incroyable. Sable du Brésil. Ouais, ça c'est Rio, ça. C'est un millésime des sables. Eh ben super. Si on allait se faire kiffer un peu. Moi, tu sais, je viens d'arriver, mais j'ai pas envie de me poser. J'ai envie d'aller me faire kiffer. Allez, bon. Allez. Le petit terrain de basket. Premier bon point que lui, il a sûrement pas. Très petit, hein. Je sais pas si le mec qui a installé le panier est au courant des règles du basket. Là, ça me paraît limité en termes de rencontres sportives. Ah, ça, il doit avoir, Ben. Pour le coup, terrain de pétanque, il doit en avoir. Le petit terrain de foot, pareil, hein. Toujours des très petites proportions, par contre. Seul au monde, triste, solitude, pleurs, rancune, rancœur. Pardon. On s'amuse, tout va bien. Oh, le garage. Ah, le lit de Ben. Pardon, Benjamin. Je me permets de tester ton lit. Oui. Tu vas être si bien. Pardon, c'est pas bien de se moquer des pauvres. Allez, c'est la chambre bonus. Pas mal pour une chambre bonus. Ah, une voiture jaune qui passe. Mmh. C'est rare, hein. Il y a une chambre bonus dans la chambre bonus. C'est les poupées russes des chambres. Bon, on fait quoi? Je vous montre un petit peu la piscine quand même. On l'a vu de loin tout à l'heure. C'est quand même une très très belle piscine. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est des bases nautiques, ça. À Ibiza, ils sont ça ou pas? Très très bien cette piscine. Ça, c'est de l'eau qui vient d'Argentine, ça. Vous voyez, c'est de l'eau un peu supérieure. C'est de l'eau premium. Après, c'est apaisant. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Tu sais, Ibiza, c'est pam pam pam, les fiestas, les trucs, les danses, sortir, faire la... Waouh! Waouh! Est-ce qu'on peut pas 2 minutes apprécier le silence de ce monde?
Mais juste 2 minutes alors, pas plus. Hein. Bonjour, tu déranges pas? Bah non, c'est chez moi. Ah ah ah, on a quoi là? Petite salle de sport extérieure? Ouais, demain matin ça. J'y touche pas. Bah je crois qu'on a fait le tour. C'est très cool cette villa, mais on n'a pas que ça à faire aujourd'hui. On a des activités qui vont avec. Tu crois qu'il s'amuse, Pierre? On va commencer par une petite leçon privée de golf ici. On a un professeur qui arrive. Après, il nous amène dans un endroit apparemment super beau. Bah, c'est parti. Can I show you a little my talent? I would like to know your talent. This guy can die. Hey, not bad. Moi-même, je suis impressionné. C'est pas mal. Bon, c'est comme ça. C'est qui le patron ici du mini-golf? Attention, Agathe. Que bueno! Il est en train de dire que je suis un génie. Oh là là! 3 coups, les amis. On passe au second. Yes. Wow! So far! C'est ça la technique! Oh non! Allez! C'est ça le véritable jeu. Alright! Globalement, on passe une bonne journée dans cette vidéo. Petite pensée émue à toi, Benjamin. Et moi, je mets pas mes doigts là-dedans. Moi, je te le dis, je suis pas vacciné. Il fait quoi, lui, en ce moment, Ben? Attends. Oui. Voilà. Allez, on démarre là-bas. Maintenant, c'est mini-golf, mais de partout. Eh, hey, je te jure, je le hais. Je le hais d'avoir gagné cette course de billes, là. Ça se trouve, il joue aussi au golf, hein? Ah, l'erreur. All right. This hole is amazing. C'est le plus beau trou d'Ibiza. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Je traduis un peu. I translate a little for my video. Pourquoi je perds 2 fois de suite? So, this, c'est le plus beau trou. Il n'y a pas plus beau trou. D'Ibiza. It's in between one of the best 10 designs of Spain. Un des tout meilleurs des 10 d'Espagne, de tous les meilleurs des trous. C'est vraiment spécial. Because you can see the beach of Calayunga, you can see the mountains. It's always up and down. C'est toujours des hauts et des bas. 10 lakes. Yes. A lot of ducks. Beaucoup de canards. Mais on n'arriverait pas à l'un des derniers? Non, il y a encore. Tu vois, si, s'il te plaît, non, c'est le dernier. Ils sont là, il y en a encore un. Non, c'est le dernier. Olé, pero cómo juegas, qué maravilla! I should go more often to Ibiza in a villa à 3000 euros. Oh non! Ça sent la loose un peu, non? On passe quand même une belle journée, hein, globalement. I met the new hole. You know, I'm very good for marbles. Yeah. With the red marbles, I'm very good. J'en ai marre. J'en ai marre. Better. Oui! Oh l'enfant. Fin du mini golf. C'est fait kiffer. Voilà. C'était fantastique, exceptionnel, haletant. Puis une fois de plus, cette vue, quoi. C'est beau, hein? Very perfect, David. Hein? Fin de journée, c'était une très bonne session. David, prof de golf, était très sympa. On va appeler un peu Ben pour savoir où il en est. Il profite aussi de son week-end. Ouais, allô Pierre? Ouais, Benjamin. Ouais, ça va? Ça va et toi? Franchement, super. Nous, on est en train de chercher un resto là pour sortir et on va kiffer quoi, et toi? D'accord, bah non, nous, pareil. Là, on se pose 1 heure à la villa, coucher de soleil. C'est quoi votre temps là, à vous? C'est comme des gouttes d'eau qui tombent. Mais franchement, on kiffe, hein, mais il y a comme des gouttes d'eau qui tombent, il fait noir. Ah, des gouttes d'eau, ouais. Ah, vous avez une piscine et vous jouez un peu quoi. Et toi, t'as fait quoi cet après-midi? J'ai fait quoi? Bah déjà, j'ai fait le tour de la baraque, donc ça m'a pris 1h30 à peu près. Bah ouais, comme nous, tour de baraque, ah, ok. Ouais. Jusque là, c'est le même week-end. On s'est posé, on est allé faire un petit cours de golf. Ah, golf aussi, nous? On a fait du golf. Hein. Même week-end en fait, hein. Exactement pareil quoi. Vous avez fait golf aussi, vous? Ouais, on a fait golf exactement. Vous faites quoi ce soir? Nous, on va au resto, là, on a monté au centre-ville. Bah là, on part au resto dans à peu près une demi-heure. C'est un resto apparemment hyper chic, vu sur la mer. Et après, bah Ibiza quoi, tu connais, hein, c'est boîte de nuit, c'est bar, ça boit des choupitos toute la soirée. Et toi?
Ouais, bah c'est bah, pareil, nous. Hein. En fait, la vidéo, on va faire le même programme. T'as peur que dans la vidéo ce soit redondant, genre je fais un truc, tu fais exactement la même chose et inversement? En tout cas, nous, on va pas tarder parce que ça se trouve après, il y aura plus de place. C'est blindé hein, là-bas. Ouais, bah nous aussi, tu sais, les restos à Ibiza, c'est vite complet parce que là, en plus, c'est les dernières soirées de la saison. Donc là, il faut qu'on y aille. Alors nous, pour le coup, la fin de la saison, à mon avis, elle était il y a quelques jours. Hein. On l'a peut-être raté. Bonne soirée les mecs. On se tient au courant demain, à la limite. Bonne soirée à toi aussi, hein, du coup. Hein. Ouais. J'espère que tu vas t'amuser. Hein. Ouais. On va profiter de votre soirée. Ouais, t'inquiète, ouais. T'inquiète pas, ouais. T'inquiète pas. Ouais, c'est quoi, ils ont l'air de kiffer. Putain, c'est les appels qui me minent, ça. Ah, il veut nous éclabousser avec son bonheur, là. S'il kiffe, on va kiffer aussi. Hein. On y va ? On va faire une pizza. Après cette nuit folle, on a passé une bonne nuit quand même, non ? Bah non. Le sommeil n'a pas d'importance. L'importance, c'est l'élévation de l'âme, même dans la douleur. On va se tenter le petit déj dehors ? Ouais. Allez, je vais poser petite assiette, on va se faire plaisir. Mais il pleut en fait. Petit déj dedans ? Petit déj dedans. Ah, un petit peu d'eau après la soirée. C'était une bonne soirée, hein ? Et là, le petit déjeuner royal. Après, eux, ils sont en pleine nature, ils doivent aussi avoir trouvé un petit déj de ouf. J'imagine un petit plateau de fruits là pour eux. Bon bah bon app du coup PA. Bon appétit Benjamin. Ouais, je veux une crêpe s'il te plaît. Merci. C'est la seule crêpe. Bah vas-y, fais-toi kiffer, moi j'ai les cornichons. Ah moi j'avais des couverts, on n'est pas dégueu non plus. Très bon. Et un petit café pour bien se réveiller. Tu veux pas refermer parce que ça pue vraiment. Ah non. Je crois qu'ils ont bien dormi. On va y aller après. Hein. Ouais. Vite. Hein. Ouais, vite. Alright. Hop là. Terminé pour ce week-end à je sais pas combien, contre l'autre week-end à je sais pas combien. Fin de vidéo, que dire, on a vécu un truc de dingue. Merci encore une fois à NordVPN de nous avoir permis de nous payer ça parce qu'on n'aurait jamais pu se payer ça sans eux, y compris le camping de... Non, quoi que ça, on aurait peut-être pu le payer nous-mêmes. Bon là, ça a été le coup dur pour la team Verica, mais je vais me refaire, Pierre, t'inquiète pas. J'espère que tu t'es bien amusé là, Ibiza. Petit bilan de cette expérience, c'était fou. Je pense que Ben s'est tout autant amusé que nous. Je vois pas pourquoi il se serait pas autant amusé. Après les activités, le golf, le resto, le bar, la boîte, le shot. J'espère qu'il y aura un volume 4, puisque je fais que gagner en ce moment. En vrai, je pense que j'aurais tout autant aimé le camping. Donc Ben, quand tu veux, pour une nouvelle course de billes, parce qu'en plus c'est beaucoup trop marrant à faire. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre une petite vidéo bonus qui est le making of de tout ce toboggan, qui est sur la chaîne Pierre Cross Volume 2. N'hésitez pas à checker ça. Merci encore à Benjamin d'avoir joué le jeu. I'll be back. Merci encore NordVPN. Et bonne journée à tous. Et n'hésitez pas à passer dans ma demeure si vous êtes à Ibiza. Il faut des gens en fait là. C'est triste en fait tout seul. Je suis même pas allé dans la piscine en fait. J'ai pas fait de beach volley. Il pleut. Ça doit être nul de passer un week-end sous la pluie.